Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Nous allons partir aux États-Unis et je vais vous raconter l'histoire de la disparition de Léa Roberts. C'est une de mes histoires de disparition préférées. J'espère que ça va vous plaire et on se retrouve après la fin de la vidéo. Léa Roberts est née en 1976. C'est la Benjamine de trois enfants. Elle vit dans une banlieue de Durham en Caroline du Nord. Léa est une très belle jeune femme, mais elle n'a pas eu la vie facile. En 1995, Léa a 17 ans, et alors qu'elle est sur le point de décrocher son diplôme, une terrible nouvelle vient alors assombrir l'existence insouciante qu'elle menait jusque-là. Son père contracte une grave infection pulmonaire, ce qui va exercer beaucoup de pression sur la famille. Tandis que Léa, son frère et sa sœur font face à la maladie de leur père, ils ignorent qu'une autre tragédie les menace. Léa a tout juste 20 ans quand sa mère décède d'une crise cardiaque en 1998. Après avoir pris une courte pause pour se remettre du décès de sa mère, Léa reprend ses études. Mais un événement va littéralement lui changer sa vie. Elle est victime d'un grave accident de la route. Elle s'en tire avec un poumon perforé et une fracture du fémur. Les chirurgiens, pour consolider la fracture, ont dû lui poser une plaque métallique. Suite à cet événement, Léa décide d'arrêter provisoirement ses études et de profiter pleinement de sa vie. Un semi-remorque lui a coupé la route et elle n'a pas pu l'éviter. Elle a foncé dedans. Elle nous a dit juste après l'accident qu'elle avait vraiment cru qu'elle allait mourir. Au printemps 1999, trois semaines avant son départ pour le Costa Rica pour apprendre l'espagnol, le père de Léa décède. Mais malgré cela, Léa décide quand même de partir. À son retour, Léa abandonne complètement ses études, malgré que son frère et sa sœur essaient de la persuader de continuer. Au lieu de ses études, Léa prend la guitare, se met à la photographie, elle adopte un chaton nommé Béa. Elle passe aussi beaucoup de temps dans un coffee shop en écrivant des poésies dans son journal intime au sujet du sens de la vie. Et elle se fait également de nouveaux amis. Avec une de ses amies et sa colocataire avec qui elle vit, elle discute souvent de l'idée d'imiter Jack Kerouac, un écrivain qui a fait un road trip dans l'Ouest américain, parce qu'elle est fan de lui. Léa m'avait parlé de Jack Kerouac. Je crois qu'elle avait une vision un peu romantique de ce mode de vie. Un jeune homme dans les années 50 qui parcourt tout le pays quasiment sans argent. Il décrit tous ces magnifiques paysages. Le 9 mars 2000, après une conversation téléphonique avec sa sœur, Léa fait ses valises. Elle prend son chaton nommé Béa, elle retire 3 000 $, elle éteint son téléphone et elle part sans dire à personne avec sa Jeep Cherokee blanche. Sa meilleure amie et colocataire Nicole ne s'inquiète pas de son absence quand elle rentre du travail. Car Léa, depuis l'arrêt de ses études, était imprévisible. À ce moment-là, on peut penser que Léa va peut-être faire une grosse bêtise, parce que jusque-là, elle n'a pas eu la vie facile. Mais vous allez voir, ce n'est pas le cas. 2 jours après le départ de Léa, Nicole et Cara, la sœur de Léa, décident de fouiller la chambre. Car Nicole recevait des coups de téléphone inquiétants. Léa avait manqué tous ses rendez-vous et même un babysitting qu'elle devait faire avec une amie. Dans la chambre, beaucoup de vêtements manquaient. Il y avait une lettre qui disait « Je ne suis pas suicidaire ». Au contraire, et elle mentionne Kerouac, son écrivain préféré. Elle avait aussi dessiné le sourire d'un chat. Cette lettre était plutôt rassurante pour Nicole et Cara. Il y avait aussi une enveloppe avec de l'argent pour couvrir le loyer de 3 semaines. Tout ça laissait penser que Léa avait l'intention de revenir. Couvrir les dépenses d'un mois. Alors j'ai pensé qu'elle avait prévu de s'absenter quelques semaines maximum.
Cara, la sœur de Léa, avait une procuration pour le compte bancaire de sa sœur depuis le décès de leurs parents. Elle utilise cette procuration pour voir où se dirige Léa. Et elle se rend compte qu'elle se dirige vers l'ouest des États-Unis. En 4 jours, Léa parcourt à peu près 5 000 km. Elle arrive à Bellingham, l'État de Washington, le 13 mars. Mais depuis, il n'y a plus aucun mouvement sur son compte bancaire. Le 18 mars 2000, un couple qui se promenait sur la route de Canyon Creek Road, désolé pour mon anglais, aperçoivent une Jeep blanche accidentée qui est sortie de la route. C'est la Jeep de Léa. Les secours arrivent sur place, mais la voiture est vide. Léa et son chaton ne sont pas là. Mais on remarque que des vêtements sont accrochés sur les vitres brisées, comme si quelqu'un avait campé là pendant plusieurs jours. Les recherches débutent rapidement, mais Léa et son chaton sont introuvables. Selon les enquêteurs, la voiture roulait à 60 km/h quand elle a quitté la route. Les affaires dans la voiture étaient éparpillées, ce qui était cohérent avec un tonneau. Mais aucune trace de sang ni d'autres indices suggérant qu'une personne ait été blessée. Toutes les affaires de Léa étaient dans la voiture, passeport, chéquier, CD, des bijoux, 2 500 $. Mais le plus bizarre, il y avait aussi la bague de fiançailles de la maman de Léa, et Léa s'en séparait jamais. Pour les enquêteurs, tout ça était louche. Comme si tout avait été mis en scène et qu'il n'y avait eu aucun conducteur au moment de l'accident. Ce qui laisse suggérer que Léa a été victime d'un acte criminel. Voici quelques photos de la voiture de Léa. Quelques jours après la découverte de la voiture, un témoin dit avoir vu Léa et discuté avec elle dans un restaurant entre le 13 et 14 mars avant l'accident. Il dit qu'ensuite elle serait partie avec un homme qui s'appelait Barry. Ce témoin fait une description parfaite de Léa et de ce Barry. Malgré un portrait robot, Barry sera jamais retrouvé. Un autre témoin dit avoir vu Léa désorienté dans une station-service. Mais quand le policier lui demande son nom, il raccroche et il rappellera jamais. Malheureusement, on ne saura jamais qui c'était. Voici quand même le portrait robot de Barry. En 2006, les enquêteurs qui ont toujours la voiture de Léa fouillent un peu plus en profondeur avec la nouvelle technologie. Et sous le capot, ils relèvent des empreintes et découvrent qu'un fil raccordant le relais de démarreur avait été coupé. Ceci aurait permis à la voiture d'accélérer toute seule, ce qui a confirmé leur soupçon que lors de l'accident, il n'y avait personne dans la voiture. Les empreintes relevées sur le capot de la voiture sont comparées avec celles du témoin qui avait dit avoir vu Léa partir avec ce Barry. Car ce témoin avait travaillé comme mécanicien. Mais après analyse, ce fut une déception car les empreintes ne correspondaient pas. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Léa et ce qu'elle est devenue. Certains disent qu'elle a peut-être tout mis en scène elle-même pour changer de vie. D'autres disent qu'elle était peut-être dans la voiture le jour de l'accident et qu'elle aurait fait une amnésie. Pourquoi pas? Mais moi, je pense plutôt que Léa est tombée sur quelqu'un de malveillant et que malheureusement, elle est décédée. Si cela est le cas, je pense qu'un jour, on retrouvera un indice, car souvenez-vous,
Léa a une plaque métallique dans la jambe. Et ça, malgré les années, ça se décomposera jamais. Et en plus, il y a un numéro de série dessus. Voilà les amis, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à mettre un like et un j'aime sur la vidéo. Et aussi à donner votre avis. Ça pourrait être intéressant. Et je vous dis à la prochaine.